Hello, je vous reprends aujourd'hui. J'essaierai de vous faire le maximum de vlogs à jour. J'ai un gros souci avec internet encore, hein, ça dure depuis 4 semaines, je sais. J'ai que la connexion par une clé. Donc quand je pourrai avoir exactement toute la connexion et 5 minutes, je vous mettrai toutes les vidéos. Parce que depuis mon téléphone, cela ne marche pas du tout. Il est même pas 7h. Là, il doit être 7h50. En tout cas, c'est. Je suis derrière le travail à mon homme. Parce que je ne rentre pas à la maison pour le moment. J'attends. Là, pour l'instant, je vais chauffer la voiture. Après, je vais l'éteindre. J'attends. Je vais à un rendez-vous avec ma banque. Donc, je ne vais pas faire des allers-retours pour rien. J'attends. J'ai pris de quoi pour me réchauffer. J'ai pris de quoi pour dormir un peu. Parce que 7h à 9h, je peux dire qu'il y a une heure, on va dormir un petit peu. J'ai pas pris mon PC, mais j'aurais pu prendre mon PC et travailler un petit peu. Ça m'aurait peut-être avancé, mais je pense qu'avec la fatigue et la gueule dans le cul, il faut mieux pas amener le PC. Du coup, là, je suis derrière. Comme ça, personne ne me voit dormir. Parce que si je vais sur le lieu du rendez-vous et que j'attends, les gens regardent, les gens prennent en photo et je trouve que c'est pas trop marrant. Donc voilà. Petite information, on a été chercher le lino pour la mezzaline. Donc voilà, on a été chercher le lino pour la mezzaline. Donc je pense d'ici ce week-end ou peut-être dans la semaine prochaine, on va commencer libérer au moins une place et libérer un côté et commencer à le mettre et peut-être commencer à agencer et à travailler. Il faut que je regarde au garage qu'est-ce qui me reste comme meuble que je voudrais garder, que je voudrais mettre en haut. Parce que j'ai des projets pour le haut, en fait. Je devais faire une chambre d'amis, puis finalement, non. Il y a plein de choses qui sont arrivées entre-temps. Du coup, voilà. Et il y a plein de projets qui sont là. En haut, je veux faire, en fait, un petit salon pour quand je tourne vos vidéos. Quand je reçois du monde, oui, qu'on peut mettre un matelas. Mais surtout... Pardon. Surtout le fait de pouvoir faire un salon en haut. Alors un salon, ça va vite être fait parce que j'ai déjà plein d'idées. Et il faut que j'aille dans mon garage, regarder qu'est-ce qui me reste. Il faut que je trie mes affaires parce qu'il y a 2-3 choses qu'il faut que je lave pour justement que ça fasse un joli rendu. Et ça fera un petit peu maison de campagne, comme ça vous comprendrez. J'ai mes chiens qui s'engueulent derrière. Hop, 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 les bébés. Regardez. Bonjour, Lasco. Donc voilà. Donc ça fera maison de campagne. Et je dois trouver des éclairages style des lampes sur pied ou quelque chose qui peut retomber en haut. Ou sinon, je me tâte à mettre des néons. Alors, c'est peut-être plus économique. Parce qu'en fait, je veux pas une grosse lumière. Je veux une lumière simple. Donc, voilà. Et dans la semaine... On est quoi? On est mercredi. Donc, dans la semaine, il faut que je me mette sur une feuille tout ce que j'ai à faire. Parce que mon agenda il est rempli, mais sur une feuille ce que j'ai à faire à la maison. Et je dois mettre dans les sacs aspirants toutes les couettes de la maison pour vider l'armoire. Pour vider l'armoire. Et il faut que je m'organise pour la chambre. Alors, pour le moment, en fait, mon petit meuble noir dans la petite chambre. Il y restera, mais après il part en haut. Et en haut, il y aura un mini coin bureau. Donc voilà. Donc tout ça sera mis en place.
Et je cherche beaucoup, beaucoup de choses. Donc là, je vais essayer de tout trouver. Et je pense que d'ici, j'ai déjà un truc à trouver, un truc qui est trouvé, qu'il faut juste aller le chercher. J'essaye de faire avec les moyens du bord. Donc je vais au dépôt de mon père, en fait, au dépôt de vente. Et je lui prends ce qui m'intéresse. Là, pour le moment, ce qui m'intéresse, bon, il y a des meubles que lui a, mais lui se sert. Donc, ça restera comme ça. Là, il commence à faire jour. Et on peut dire que j'ai une sale gueule dès le matin. Et en plus, je peux vous faire peur. Donc voilà, je vais éteindre la voiture. On va laisser. Parce que ça. Peut-être que tu fais un peu plus. Madame avait éteint le chauffage. Pour information aussi, j'ai baissé un tout petit moment. Pour information aussi, les projets, donc tout ce qui est entreprise, je suis en plein dedans. Je pense que je me bouge le cul à 300%. Je suis seule, donc je suis la seule à gérer mon entreprise. J'ai pas d'employé, j'ai rien, donc. Voilà, c'est un peu compliqué pour moi, sachant que j'ai un site internet qui a été piraté, donc il me faut que je refasse mon site internet avec ma nouvelle publication, mes nouvelles photos, mes nouvelles... Voilà, il y a plein de choses comme ça, c'est un peu compliqué. Donc là, je suis en train de voir tout ce que je peux faire. J'ai beaucoup de choses à faire. Il est peut-être 9h, il est peut-être 9h quand vous verrez ça. Je sais pas, là je sais pas quelle heure il est. Il est 8h17. Donc je vais vous laisser, je vais voir parce que là je suis pas très très bien. Je pense que je vais rentrer à la maison et que j'irai vers 10h peut-être au rendez-vous où je me débrouillerai. Parce que ça va pas, vous voyez, j'ai vraiment des hématomes partout. Donc là, je vais peut-être rentrer à la maison, me reposer, faire mes papiers, faire mon entreprise et puis on verra ça tout à l'heure. Je vous reprendrai tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, je vous fais des vlogs, vous allez avoir plein de vlogs en direct, donc ça c'est bien. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends, finalement, on va rentrer à la maison. Je sais pas encore, il est 8h16, ça ouvre à 9h. Je sais pas. Je sais pas du tout quoi faire, je sais pas qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le plus avantageux. Je suis complètement voilà. Donc voilà, en tout cas, je suis changée de côté déjà. Parce que j'étais à côté au chaud. Je me suis mis au volant, je me suis dit s'il faut partir ou marcher à côté. Je vais peut-être éteindre la voiture après. Puis on verra. Après, je me suis dit le mieux c'est d'attendre ici pour éviter le gasoil, pour ci, pour là. Parce que si j'ai besoin d'aller aux toilettes, mais là j'ai rien en fait. C'est que voilà, c'est que je sais même pas qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. C'est compliqué. Donc voilà. Bon, après on est devant le travail à mon homme et on est derrière. Et s'il y a quoi que ce soit, je sais que voilà, il est à côté et que même s'il travaille, il peut être là. Après toutes les mésaventures que j'ai eues récemment. Je pense que je peux vraiment être vraiment forte. Je pense que j'ai vraiment un bouclier en moi. Que c'est pas une armature que j'ai, mais je pense que j'ai mis des murs en béton et une armée devant. Je suis pas invincible, mais j'en suis vraiment pas loin. Je vois que la méchanceté des gens, elle va très 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 loin. En tout cas, elle ne m'atteint pas. Elle me rendra juste plus forte et plus coriace. Je sais que ces personnes là me suivent sur internet, donc cela ne me dérange pas. Je veux juste dire que dans la vie il y a des niveaux, il y a des choses qu'on dit, des choses qu'on ne doit pas dire, il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas, il y a des choses justement qu'on devrait faire. Et quand on a une éducation, on la respecte et on la tient. Moi, j'ai une éducation. Je pense que ma marraine m'a très bien éduquée. J'ai, oui, un très fort caractère. J'ai un franc-parler qui peut être méchant. Je me reconnais. Je connais très bien mes défauts. Malheureusement, je les connais très bien et par cœur. Je sais que quand on dépasse la limite, je peux sortir facilement de mes gongs.
Je sais de quoi je suis capable et je sais de quoi je peux faire. Je fais beaucoup, beaucoup d'efforts. Je ferme beaucoup ma gueule, mais des fois dans la vie, il faut savoir aussi l'ouvrir. J'ai ouvert ma gueule, peut-être pour vous un peu trop, pour certains, peut-être pas assez. Mais au moins, j'ai dit ce que je pensais face à face aux personnes. Et je me sens vraiment libérée d'un poids, libérée d'une tension, même si elle est encore là, même si je suis encore dégoûtée, même si à côté, je ne suis pas bien. Je peux le dire que ça fait du bien de dire les choses en face. Ensuite, les mauvaises nouvelles s'accumulent de jour en jour. Les soucis du passé ont refait surface et me rendent à ce jour très très malheureuse et très déterminée à m'en sortir. Je le dis. Dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut, comme je disais il y a 2 minutes. Il faut savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Moi, je veux pouvoir m'en sortir, je veux pouvoir aller plus haut, plus loin. Ma détermination, elle est à 300% alors qu'on en donne 100. Je mens pas. Hein. Je suis complètement canée, je vous dis ça. Je suis au bout de mes forces, mais je continue. Je me battrai entre les soucis d'internet, les soucis de téléphone et les soucis de plein de choses, quoi, de la vie d'avant, de... Voilà, vraiment, je peux vous dire que j'en suis à un point où je me demande qu'est-ce que je fais sur cette terre. Mais ma force est là, mes passions sont là. Et je peux le dire, je pense vraiment que je vais aller très très loin. Et que je vais, à mon avis, m'endurcir. Et vraiment devenir vraiment celle que je suis. C'est-à-dire mon sale caractère qui s'ouvre au jour d'aujourd'hui de plus en plus. Donc voilà. Je voulais aussi vous dire, c'est pas facile de tourner à une main. Tac, 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 je vous reprends là. Voilà. Je voulais aussi vous dire le bilan de la course de 2 chevaux au passage. Je pense que je fais pas mal de choses. Donc, bilan des courses de 2 chevaux. Que dire? Alors, on va parler de mon équipage. Donc, de ma copilote. Donc Cindy, ma copilote, une femme extraordinaire, bouffée de talent, parce qu'il faut le dire, elle est bouffée de talent, bouffée d'énergie. Elle en a dans la tête, elle en a dans les bras, elle en a partout, je peux le dire. Elle sait ce qu'elle veut et elle sait ce qu'elle veut pas, elle aussi. Une folle, vraiment. Elle a pas peur de l'accélération, elle a pas peur de taper dans les mecs, elle a pas peur de faire des courses. Vraiment, ça me fait plaisir. Elle montre que c'est une femme, mais que derrière, elle sait se démerder. Donc, on a super bien roulé pour moi. Le peu qu'on a roulé, on a super bien roulé. Ensuite, niveau mécanique, je dirais merci à ceux qui nous ont tous dépannés. Comme j'ai parlé sur la scène, merci à tout le monde qui nous ont dépannés. Merci à ceux qui nous ont aidés niveau mécanique. Merci à Stéphane et Mario qui, avec Yolande, jusqu'à la dernière seconde, quoi, ils étaient de la tête dans le moteur. Ils n'ont pas voulu lâcher malgré que, ouvertement, je voulais vraiment abandonner parce que c'était pas ma douche et que je voulais pas la casser et que, du moins, que je voulais pas. Je me suis dit, on va pas la bousiller, on la connaît pas et tout. Voilà. Ensuite, la douche, elle était vendue. Donc, pourquoi continuer la course si elle était vendue? Si on la cassait, on allait s'en prendre peut-être plein la gueule. Donc, voilà. Après, c'est peut-être un préjugé, je sais pas. Hein, mais pour moi, voilà. Sinon, on a passé une excellente journée. Une team à fond. La team Blayé à fond. On lâche rien. On se connaissait pas. On est devenus amis. On a créé une super bonne complicité. On a été unis. On a été complices, on s'est tapé des barres, mais alors des barres qu'on ne peut pas vous expliquer parce que c'était notre délire alors qu'on ne se connaissait pas. Hein. On s'est tapé une bonne expérience. Vraiment, je souhaite à tout le monde d'avoir cette expérience-là. D'un jour faire une course de 2 chevaux parce que malgré que on était des femmes et qu'on n'a pas eu de mécano, qu'on s'est démerdé par nos propres moyens pour trouver 2 mecs qui ne s'y connaissaient pas du tout en 2 chevaux. Hein. Ça leur rappelait juste leurs 2 chevaux, c'était leur rêve, leur jeunesse et c'était leur rêve de... C'était leur rêve de devenir mécano. C'était leur rêve de faire de la mécanique sur les douches et du coup...
Bah, ils ont un peu réalisé leur rêve, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ça leur a rappelé des bons souvenirs, ils m'ont dit. Ils sont super contents. Moi, je suis hyper contente d'eux, en tout cas, parce que sans aucun matériel, à part une caisse à outils, on a su se démerder, démonter, remonter un moteur 4 fois. Donc, on a démonté 2 fois un moteur, on a remonté 2 fois un moteur, donc on a fait 4 tirs. On s'est débrouillé pour avoir de l'aide à droite et à gauche. On s'est démerdé comme on a pu avec les moyens du bord et qu'on a fini. On est arrivé peut-être dernière, mais on a fini et le but était de prendre le départ et de finir. C'était vraiment. Moi, toutes les premières courses que je fais dans quelque chose, c'est impossible de prendre le départ et de finir en même temps. Ma première course de tracteur tondeuse, j'ai pris le départ, j'ai eu du mal à prendre le départ, j'ai pris le départ et à côté, je crois que j'ai pas fini. Oui, la première année, j'ai pas fini. La deuxième, j'ai pas fini. J'ai cassé la boîte. Du coup, j'ai fait abandon. Et ainsi de suite, j'ai fait 32e, j'ai fait 27e, 21e, je crois, si je dis pas de conneries, et 11, et j'ai fait abandon l'année dernière, cette année. Donc voilà. Donc dans la vie, il faut savoir ce que l'on veut et ce que l'on fait. En tout cas, je remercierai tout le monde. Le monde, et pour une petite information aussi. On a fait la course pour Claude, donc de Haute Claude. Ça a été très dur parce que pour moi, c'était ma façon à moi de pouvoir lui dire au revoir et merci de partager. Alors, je suis désolée, je me suis arrêtée. J'ai un camion qui vient de se taper un poteau d'essence. Parce qu'il n'a pas réussi à tourner, il a pété son camion et il a pété la pompe à essence. Nickel. D'où le fait que vous voyez Lily et Lesco, regardez là-bas. Et que vous m'avez fait là. Donc oui, donc je disais, c'était ma façon à moi de remercier Claude et de m'avoir mis dans ce truc des deux chevaux et de vivre la passion à 100%. Moi, le sport automobile, j'en vis, c'est que je ne me nourris de ça. Dans mes veines, il n'y a pas de sang, il y a du sport automobile à fond, c'est rallye, tracteur, deux chevaux, voilà, c'est tout ça. Je suis contente aussi d'avoir fait plaisir à mon ex-beau-frère, d'avoir mis enfin le cul dans la deux chevaux. Parce que à l'époque, je ne pouvais pas rentrer dans la deux chevaux et que maintenant je l'ai fait et que j'espère que ça lui a fait plaisir parce que ça fait 2 ans qu'il me disait ouais, tu montes dans la deux chevaux, nanana. Et j'ai pas pu. En tout cas, je le remercie fortement, Clément, parce que Clément, grâce à toi, j'ai su comment on conduit une deux chevaux, comment on passe de la 1 à la 2 à la 3. On a bien rigolé, c'était comique, hein. Et puis j'ai plein de bleus, puis voilà. Puis on a passé un bon week-end. Voilà, j'ai retrouvé la complicité que j'avais avec certains, d'autres que j'ai connus. Je suis repartie nourrie, si j'ai un mot à dire, c'est que je suis repartie de cette aventure nourrie, remplie de conseils, remplie de. Voilà, maintenant, je sais faire certaines choses sur la deux chevaux que je ne connaissais pas. Je sais comment on passe en direct, donc un exemple, un démarreur en direct. Pardon. Comment on démonte une boîte, comment on met une hélice de deux chevaux. Voilà, plein de choses. Je sais beaucoup, beaucoup plus de choses en mécanique que je savais. Moi, la deux chevaux, en fait, je savais rien faire. Je sais même comment on change une roue sans cric. Si vous avez besoin, biceps à fond. Je voulais juste aussi. J'ai la peau, elle est toute brûlée. Je sais pas si vous voyez un peu. J'ai la peau, elle est toute brûlée du fait qu'on ait sorti le moteur. Et là, en fait, je me suis fait brûler le bras pour ça. Soleil s'est levé. Il fait bon, il fait beau. Je suis toujours pas maquillée, toujours pas coiffée. Pourquoi? Parce que je sais pas si vous m'entendez bien. Mais aujourd'hui, c'est grand ménage à la maison, c'est grand tri, ménage de la voiture, ménage de la petite chambre. Grand, 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 grand ménage. Donc, je suis habillée à l'arrache. Je suis coiffée vite fait. Là, je pars chercher mon homme. Il est midi 26. J'ai fait mon rendez-vous. J'ai fait du ménage. Je suis en train de faire toutes mes machines, ranger tout le linge. Je fais pas mal, pas mal, pas mal de choses. J'espère que voilà, les vlogs vous plairont. Je suis complètement désolée pour tous les retards de vlog. Alors, je pense que je vous ferai un grand vlog.
et je vous marquerai retard de vlog. Pas mal lisé. Donc voilà. J'ai pas de voiture derrière, je mets pas une clé autant. C'est en option chez moi. Ah, ils ont refait la route. Et les gens. Alors, nous dans le Médoc, les gens en fait, vous me voyez, vous avez le contre-jour en plus. Les gens dans le Médoc, ils vont au CEP, ils se garent tous au même endroit. Comme si les CEP vont se poser tous au même endroit. Alors ce matin, j'ai vu, j'ai pas été au CEP, moi j'y ai pas été, mais je pense pouvoir y aller pour tourner une petite vidéo. C'était comique parce que, en gros, si vous allez par là, il y avait à peu près 12 voitures posées à un endroit, à l'ombre. Plus loin, il y avait 6 voitures, juste un peu à côté, quoi, allez, à même pas 200 mètres, puis ainsi de suite. Je me suis dit, putain, ils croient que c'est des kilomètres de cèpes ou des kilos de cèpes qu'ils vont trouver. Et je marche, je continue là, et je vois une dame qui marche sur le bord de la route, elle avait 3 grands sacs. Et j'étais clouée, je fais, hey, ils sont tarés dans le Médoc. Donc voilà, c'était juste pour vous faire comprendre et pour vous expliquer ça. J'espère que les vidéos vous plairont, je continuerai, il n'y a pas de souci. Je m'excuse pour le retard. J'aurai la box ce week-end, donc ça va peut-être bouger après. En tout cas, En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et j'espère que tous les vlogs vous plairont. Bisous.